Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur cette lecture guidance du mois d'avril. Le mois d'avril, le mois traditionnellement appelé dans ma famille, le mois de la lune de la renaissance, évidemment. Alors pourquoi évidemment? Ben oui, c'est logique, le printemps, le Pâques, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce joli mois d'avril? Nous allons le voir dans les 12 domaines de la vie, justement, et à travers la grande roue astrale. Alors, tout de suite, lorsqu'on voit hein, globalement ce tirage, on voit que il y a du changement dans l'air, il y a de la perturbation, mais pour du bon. Alors, justement, rentrons dans le détail. Alors, si nous regardons la maison 1, c'est-à-dire l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, qui va être avec vous, eh bien, c'est l'énergie de la papesse. Alors, la papesse, c'est une personne, c'est vous, donc, qui êtes en réflexion, en gestation. La papesse, elle a le livre de sa vie ouvert sur ses genoux. C'est comme un journal intime. Elle lit, elle le relit, elle le relit. Elle dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai vécu de bien, de moins bien? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, la papesse, elle est dans cet état d'esprit, un peu repliée sur elle-même. On pourrait presque parler de retraite spirituelle. Mais la papesse a une clé dans sa main. Et cette clé, elle est importante parce que la papesse ne réfléchit pas dans le vide. Elle réfléchit parce que c'est un moment dans sa vie où elle a besoin de faire le point. Et à un moment, elle va sortir la clé pour ouvrir la porte. Et effectivement, la solution sera là. Donc, on voit que dans ce mois d'avril, si c'est cette énergie-là qui vous accompagne, c'est qu'il va y avoir de la réflexion. Il va y avoir, ça sera un mois où vous allez mettre des choses en place, vous allez réfléchir pour la suite. En face, on a l'impératrice. Alors, la papesse et l'impératrice marchent bien ensemble. Là, ça veut dire que vous avez en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, là, c'est une impératrice, mais ça représente un homme ou une femme. Vous avez réellement une personne en face de vous qui est une personne extrêmement communicante. L'impératrice, c'est quelqu'un de très gai, de joyeux, de très stratège, de très communicant. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous dit « mais viens, on y va, allez, je vais t'aider à réfléchir ». Donc, dans ce mois d'avril, vous aurez en face de vous une personne très porteuse, alors ça peut être un compagnon ou une compagne, et ça peut être une toute autre personne, et évidemment, l'impératrice nous donne aussi l'idée de quelqu'un d'amoureux, hein, disons-le. Alors, ça peut très bien être, comme là, vous êtes en papesse et que vous réfléchissez, eh bien, quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez déjà rencontré, puisqu'elle est déjà là, et une personne avec qui peut-être vous hésitez à vivre une histoire d'amour. Pour un tas de raisons, peut-être êtes-vous déjà en couple, hein, voilà. C'est surtout ça qui vous ferait hésiter éventuellement. On passe à la maison 2 qui parle de vos possessions, de vos finances, on a la force. Bon, c'est rare qu'on prenne un Capricorne sur la question de l'argent. Vous êtes quelqu'un qui prévoyait beaucoup, vous êtes un signe de terre, hein, le signe de terre par excellence, donc c'est rare que vous fassiez piéger dans un manque d'argent. Alors évidemment, ça peut vous arriver, comme à tout le monde, mais en général, vous thésaurisez, vous prévoyez, vous avez toujours normalement un petit matelas, petit peut-être, mais qui est là. Donc cette force, c'est ça. Ça représente effectivement, vous n'aurez pas de soucis en avril, côté financier ou côté de vos possessions. En face, on a l'ermite. Alors que veut dire l'ermite ici? Eh bien tout simplement, ça ne sera pas ce sujet-là qui sera important pour vous ce mois-ci. Voilà ce que ça veut dire. L'ermite, ben, c'est le chercheur de sens, c'est celui qui ne s'occupe pas de quelque chose. Donc vous n'aurez absolument pas à vous préoccuper de vos finances ou de vos possessions. Ça marche, c'est correct, c'est pas le problème. C'est pas là qu'on va venir vous chercher ce mois-ci. Maison 3, votre environnement social, vos fréquentations, votre communication autour de vous, nous avons la lune. Alors c'est quand même assez drôle parce que tout à l'heure, regardez bien, on avait la papesse et l'impératrice en face. Là maintenant on a la lune dans la maison 3
et l'empereur dans la maison 9 en face. L'impératrice et l'empereur sont des personnages quand même qui se ressemblent, qui ont une grande maîtrise de la vie, qui prennent des bonnes décisions. Et en fait, lorsqu'on voit que là on a la lune ressemble à la papesse. D'ailleurs, lorsqu'on a la papesse et la lune ensemble, on parle d'une femme enceinte ou d'une gestation, d'un véritable projet en gestation qui est encore secret, qui est dans les batteries comme on dit, mais qui n'est pas encore dévoilé. Donc, papesse, impératrice, lune, empereur, c'est pas neutre. Justement, ça veut dire que donc, autour de vous, vous avez quelque chose en tête, mais que vous ne dévoilerez pas à votre entourage. C'est pas les intimes, hein, là, ici, dans la maison 3, c'est les collègues, les amis, la famille un petit peu éloignée. Et en face, dans la maison 9, donc ce que vous ne savez pas encore, ce qui vient vers vous, de l'extérieur, en communication bien sûr, eh bien, c'est une aide. L'empereur représente une véritable aide, comme tout à l'heure l'impératrice le représentait. C'est-à-dire que sur votre route, pour votre projet, pour ce projet que vous avez en tête, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver des gens qui vont vous conseiller très très bien, qui vont même vous aider, mais même matériellement, hein. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu caché dans votre environnement habituel, mais par contre, il y a une ou deux, trois personnes qui sont plus éloignées que vous encore, mais qui, elles, seront intéressées par votre projet ou qui vous aideront dans cet environnement-là. Alors, ça peut très bien être une nouvelle personne que vous rencontrez et les amis de cette personne qui vont aider, qui vont vous aider peut-être à asseoir ce couple, hein, évidemment. Alors, dans la maison 4, donc votre foyer, votre famille, là, évidemment, on est un petit peu dérouté. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a le pendu en face, on le voit de suite, et il y a un petit peu une logique. La tempérance nous parle de communication, donc on voit bien que dans votre foyer, vous allez communiquer. Ou, on pourrait presque dire, vous allez être obligé de communiquer avec les vôtres. Vous allez parler, vous allez dire ce qui se passe. Et apparemment, eh bien, en face, ce n'est pas très, très bien pris puisqu'il y a un blocage, hein. Ça représente la maison 10. L'objectif que vous vous donnez dans le mois, eh bien, cet objectif, poum, clac, c'est bloqué. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet ? Si vous avez un couple qui s'entend bien, vous vous entendez bien, et il n'y a pas de souci de se quitter. À ce moment-là, vous présentez le projet à votre compagnon ou votre compagne, et celle-ci ou celui-ci n'est pas d'accord. Dans un premier temps, ça coince. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais, selon votre situation, cela peut aussi représenter que vous essayez de faire passer une pilule amère, voire très amère, voire une séparation chez vous, dans le foyer. Évidemment, ça bloque aussi, hein. Et si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que la personne que vous avez rencontrée, parce que moi je ne doute pas qu'il y ait une rencontre, ne plaise pas à votre environnement. Et oui, il y a ça aussi, vous comprenez? Alors, on continue et on aborde la maison 5 qui justement parle du bonheur en amour. Alors, bonheur en général, votre bonheur, mais notamment dans la tendresse, dans l'amour, dans les sentiments. Et voilà la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est un peu particulier. C'est une carte fort rapide qui indique un militaire, un téméraire, un casse-cou, même un kamikaze qui fonce droit devant. Et vous allez vers la maison des projets, la 11, qui est le où on a le soleil. Alors, sur le principe, c'est parfait. Vous foncez dans l'amour, dans le bonheur, et en face, vous obtenez la lumière, la chaleur, la vie, le soleil, l'honnêteté, la passion, hein, la passion. Alors, ok, c'est bien, mais on voit bien que vous allez foncer vers ça dans l'amour. Mais évidemment qu'on comprend que ça peut remettre en cause, du coup, un couple qui existait déjà. Vous voyez, on est un peu là, on n'est pas très à l'aise avec la famille, avec le foyer, avec tout ça. On n'est pas très, très, très à l'aise, hein. Donc, il faut vraiment que... Et puis, d'un autre côté, c'est pas qu'il faut vraiment, mais d'un autre côté, vous foncez. Ça veut dire que, voilà, vous sentez que votre vie sera là. Vous n'avez même pas le choix, quelque part. C'est boum, vous y allez parce que ben, vous ne pouvez pas
faire autrement. Vous êtes attiré, et certainement avec juste raison. Alors, voyons maintenant l'énergie au quotidien. Hein. L'énergie qui va vous accompagner au quotidien, quand vous vous levez le matin, dans ce mois d'avril, vous vous couchez le soir, on a le diable. Alors le diable, c'est une belle énergie, parce que c'est une énergie énorme. Hein. Le diable, il y va, hein, un peu comme le chariot. Mais en même temps, on voit bien que vous allez être obligé de vous booster, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour vous. L'énergie du diable aussi, vous vous doutez bien que c'est aussi une énergie de bagarre, hein, une énergie où on n'est pas... On peut mentir, on peut être amené à mentir, on peut être amené à s'opposer. Or, en face, on a le mat, le fou qui s'en va, qui prend sa route. Et ça, c'est dans la maison des ennuis. Parce que la maison 12, c'est la maison qui représente les ennuis, les soucis. Alors, le mat dans la maison des ennuis, ça veut dire que vous vous détournez des ennuis. Vous n'avez pas envie d'avoir d'ennuis, on vous comprend. Mais en fait, l'énergie du diable va vous aider à vous détourner. Ben, ça peut vouloir dire, alors là encore, il y a plusieurs solutions, selon là où vous en êtes, hein, mes amis, c'est toujours pareil, c'est généraliste, et donc il faut, voir votre situation, pardon, à vous, et extrapoler. Alors, si vous êtes en couple, et que, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui est perturbante, depuis quelque temps, bon... Et que votre couple ne marche pas bien et que de toute façon, vous sentez que vous allez y aller. Bon, ben voilà, évidemment, l'énergie du diable, le mat qui s'en va, c'est compliqué, mais c'est votre route. Hein. Vous allez laisser tomber tout ça et vous allez repartir vers de la nouveauté. On est là-dessus. Et puis, mais c'est pas facile. Donc, l'énergie du diable, c'est aussi de se dire, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai fait une route depuis des années. Hein. Je laisse tomber cette personne. Ça peut être compliqué aussi, on n'est pas fait de bois ou de ciment, on n'est pas des blocs de béton. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince, hein. On voit bien que vous êtes en plein bonheur, ça se voit que vous allez vers le bonheur, on le voit, mais en même temps, ça coince. Alors, il faudra gérer tout ça, mais reconnaissons que c'est votre moment. Reconnaissons que véritablement, là, ce mois d'avril pour vous, alors pour le coup, c'est une vraie renaissance, hein, c'est certain. Alors justement, on va un petit peu zoomer, hein, on va zoomer même beaucoup, sur le côté relationnel, voir si on a du détail ce qui se passe, notamment avec ces deux cartes qui vont un petit peu venir compléter ce qu'on a vu au niveau relationnel. Alors, avant de les découvrir... Je vous rappelle, on va reprendre un peu les trois axes relationnels. L'axe 1-7 qui montre que vous êtes en pleine réflexion, parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous attire et qui est une bonne personne. Hein. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre, il y a des choses importantes. Alors maintenant, si vous êtes bien dans votre couple, il y aura une réflexion dans le couple. Hein. C'est sûr que ça peut être ça aussi. Hein. Heureusement quand même que tous les Capricornes ne vont pas divorcer. Dans l'axe 3-9, on a encore une réflexion avec les gens autour de vous, mais c'est plutôt caché, vous ne mettez pas trop les gens au courant de vos intentions et vous serez soutenu par d'autres personnes qui étaient étrangères à vous jusqu'à présent, qui peuvent représenter la famille de la nouvelle personne. Ça n'est pas impossible et si vous êtes dans un couple qui marche bien, on rappelle qu'un projet est en train de se faire mais que vous n'en parlerez pas à vos familles respectives. Il y a une espèce là de côté caché que l'on garde parce que on n'a pas envie encore d'en parler, on sait que ça va faire des histoires et des blocages. Et puis l'axe du bonheur en amour où on voit que vous êtes très porté. Alors évidemment on voit que ce chariot il fonce vers ce bonheur, on voit qu'il y va avec grande gaieté, mais peut-être en laissant du monde derrière. Alors voyons maintenant ces deux cartes qui viennent compléter cela. Nous avons la passion et le feu. La passion va vous parler de précipitation, donc voyez qu'on y va, hein, de fougue, de combativité, vous ne vous laisserez pas faire, vous avez votre idée, vous avez envie d'aller vers ça, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Vous sentez que vous êtes appelé, vous sentez que c'est votre destin qui vous appelle, que là vraiment on vous attend, on vous attend. Et puis le feu,
la passion, le feu, ben le feu, hein, il brûle tout. Hein. Courage, on l'a vu avec le chariot, de l'ardeur, de la combativité, de l'héroïsme même, comme quoi c'est compliqué. Des investissements pour le futur, de l'agressivité, et oui, bien sûr que ça n'est pas impossible, et une conviction terrible. Donc, cette passion et ce feu, bien sûr que ça parle d'amour, bien sûr que ça parle de passion, bien sûr que ça parle d'une nouvelle route inéluctable. Mais en même temps, eh bien, il y a des choses, il y a de l'ardeur, il y a de la combativité, il y a des choses à régler. Hein, et ça n'est jamais simple, hein, on a le combat de deux coqs. Bon, mais c'est comme ça. Alors, comment finirez-vous ce mois d'avril et comment aborderez-vous avec quelle énergie le mois de mai, ce passage entre avril et mai, que sera-t-il? Comment allez-vous le négocier? Le plaisir, oh là là. Eh oui, on a envie de dire eh oui. Bon, ben, pas trop d'explications à donner, hein, ami Capricorne. Alors, vous nous étonnez, hein, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas, logiquement, vous ne vous laissez pas prendre comme ça par la passion. Hein. Ben là, oui. Là, oui. Et c'est vrai que quand on pense à votre ciel astral, moi qui l'ai en tête, il est évident qu'il y a un énorme changement qui vient vers vous à ce niveau-là, un lâcher total pour aller vers le bonheur. Et ça, c'est très important. Vous n'y couperez pas. Alors, quelle est maintenant pour vous la carte conseil de l'oracle, le conseil de l'oracle, la carte de l'énergie de guérison? Quel conseil l'oracle vous donne sur ce chemin un petit peu compliqué? Chemin de bonheur, certain, mais quand même un peu compliqué par rapport à votre famille, pardon, c'est pas celle-là, excusez-moi, par rapport à la famille ou peut-être des gens qui sont déjà en place ou même, hein, si vous êtes un couple qui fonctionne bien, vous allez peut-être être obligé de laisser des gens sur le côté, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, la confiance. Ah, c'est sûr que sans la confiance, c'est compliqué, surtout là. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Ça, c'est sûr. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Et oui, et oui. Voilà, ami Capricorne, une renaissance magnifique. Je vous le souhaite. À bientôt.